annoncé en grande pompe par le régime tribaliste Mochi. Le chemin de fer Congo-Océan est dans un piteux état, contrairement à la soupe qui a été servie dans les médias locaux. La restauration du chemin de fer CFCO est un leurre. Un énième échec pour celui qui se voulait être le bâtisseur. Dans la vidéo qui va suivre, un patriote congolais s'alarme et vous donne un aperçu sur l'ampleur de la destruction de ce secteur économique. Bah frère Amon va congolais. Les monnaies absorbent que ça soumet bébé ça boit là. Bah car que vous n'êtes pas là, vous défendez rien dit. Ah moi que na gare Bouansa, bien hôtel va réalité. Donc de Brazzaville jusqu'à Bouansa côté moi que là, bah gare tout mes moyens là. Bien hôtel, engueule la côte. Attends, rapidement je veux rentrer. Bien hôtel na catch. Donc engueule na né na engueule même na catch. Ah ouais. Après bon, monte mosquée, parce qu'il y avait na quiza interdit engueule à face. Donc après avoir suivi ce témoignage vidéo d'un citoyen courageux, qui de vous, quel est le Congolais patriote et sérieux, soucieux de l'avenir de ce pays qui pourrait dire le contraire? Denis Sassou Nguesso a détruit structurellement le Congo. Brigade ferroviaire gare de Bouansa, gendarmerie. Il y a bien la français, mais voilà, mais vous voyez, voilà mes bébés. Mon ennemi, je suis en gendarmerie. Maman, son événement, ça m'a fait. Après, on a défendu le régime Sassou. On a défendu rien. Je suis en gendarmerie. Denis Sassou Nguesso, qui est revenu par un coup d'état militaire en juin 1997. S'est lourdement enrichi et a enrichi sa famille, ainsi que quelques membres de sa tribu Mochi. Le Congo est face à lui-même. Il faudrait que tout homme politique, tout citoyen conscient, réalise l'ampleur de la destruction structurelle de tout un pays par un homme qui est au service du néocolonialisme français. Denis Sassou Nguesso, ange ou démon ?